Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto décharger sa tige de sel AXS quand elle prend du jeu comme sur les anciennes Reverb. A tout de suite en vidéo. Alors problème très connu sur les Reverb à câble 1 et 2, la perte des battements de la tige de sel qui passait avant par une dépôt, il fallait la démonter pour pouvoir régler ce problème. Sur la Reverb AXS, ils ont revu l'intérieur et ont donc positionné une vis airshaft sous la tige de sel où c'est qu'on la regonfle, où apparemment en appuyant dessus libère l'air qui a contenu dans l'huile et enlèverait ce souci. Donc on va commencer par déposer la tige de sel et regarder ce qu'il y a dessous. Voilà, donc ça va consister à positionner la tige de sel en l'air et avec l'outil venir appuyer dessus. Et rester pendant 2 secondes. Puis on enlève, on appuie sur le moteur pour la faire remonter, on appuie encore une fois pour faire verrouiller. On se met sur une surface plate. Je vais pas verrouiller. Voilà. Et il n'y a plus de jeu. Alors comme vous pouvez le voir, une opération qui est assez simple. Hein, ça prend même pas 1 minute le temps de démonter et d'appuyer sur la position basse. Donc j'espère que cette vidéo servira aux utilisateurs de la tige AXS. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!